le Saint-Esprit est là. Ah, ah. Le Saint-Esprit est là. Ah, le Saint-Esprit est là. Il habite en moi, au-dedans de moi. Il est avec moi et il est sur moi. Il agit par moi. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Ah, ah, tu es honoré. Le Saint-Esprit est là. Quand il descend, quand il descend, oui, tout s'arrête. Le chaos s'arrête, le désordre s'arrête, la confusion s'arrête, le désastre s'arrête, la mort s'arrête. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert. Il y a entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert. Il y a entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. De ma vie, il est là avec moi, en moi, sur moi. Le Saint-Esprit est pour me prendre par la main. Tu es là, le Saint-Esprit pour me faire vivre la vie de l'Esprit. Le Saint-Esprit pour me conduire sur le chemin de ta volonté. Le Saint-Esprit pour me conduire dans ma destinée. Le Saint-Esprit pour me rendre conforme à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit pour me faire manifester la vie de Dieu. Le Saint-Esprit pour me faire marcher dans la victoire. Fais vivre la vie du ciel. Le Saint-Esprit pour me faire ressembler à Jésus. Le Saint-Esprit pour me rendre conforme à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit pour me faire glorifier Jésus-Christ. Pour me conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit. Pour me faire marcher dans la lumière. Le Saint-Esprit. Pour me faire porter beaucoup de fruits. Le Saint-Esprit. Pour sécuriser mon éternité. De Dieu, le Saint-Esprit, il est là comme un avant-goût du ciel. Le Saint-Esprit pour me faire manifester la vie divine. Le Saint-Esprit pour me faire vivre la domination. Le Saint-Esprit pour me faire vivre la différence. Pour révéler Jésus le Christ. Pour me faire vivre la vie de différence. Pour me faire marcher à ciel ouvert. Pour me faire opérer dans le miracle. Pour me faire vivre la domination. Le Saint-Esprit. Pour me
faire vivre au-dessus des Adam. Pour me faire glorifier Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est là. Pour me faire vivre la différence. Pour honorer le sang de Christ. Pour me faire vivre Dieu sur terre. Oh, oh. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit, je sors de la tyrannie pour me faire vivre la liberté. Les enfants de Dieu, il est là pour me faire sortir des fosses, pour être ma forteresse. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Tu es là dans la place, dans la barque de ma vie. Tu es là pour écrire mon histoire, pour rendre visible ce qui est accompli, pour manifester le Christ de mon époque, pour manifester le Christ de ma génération, pour que l'on voit le Christ de mon vivant, pour qu'on voit la révélation des fils de Dieu. Nous t'honorons, nous te louons, nous te célébrons. Nous rendons toute la gloire à Jésus-Christ. Nous rendons toute la gloire à Dieu le Père. Pour le ministère, le mandat et le don du glorieux Saint-Esprit. Il est l'Esprit du Père, il est l'Esprit de Jésus. Il est l'Esprit de prophétie, l'Esprit de la promesse. Il est le plus beau, le plus grand de tous les temps. Le plus glorieux don que le Père pouvait donner à l'espèce humaine, c'était lui. Honneur, louange et gloire à toi qui nous as déjà exaucés en nous donnant le Saint-Esprit. En donnant l'Esprit, tu nous as tout donné. En donnant le Christ, tu nous as tout donné. Il ne nous manque rien. C'est à nous maintenant de comprendre, d'activer le ministère du Saint-Esprit. Merci pour la dimension dans laquelle tu nous conduis. La dimension de l'effusion de ton esprit. La dimension de la vie de l'esprit. La dimension de la romance avec l'esprit. Dans le nom de Jésus le Christ. Père, nous t'avons ainsi prié. Avec action de grâce. Oh! Nous t'honorons, nous te célébrons, nous te couronnons. Nous t'accueillons, nous valorisons ta présence. Nous t'acclamons, cher glorieux. Présence de Dieu au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Nous te recommandons cette journée. Et nous accueillons ta main étendue. Amen. Amen. Thank you, Lord. Blessed be the name of the Lord. Oh, quelqu'un dit gloire à Dieu. Oh, God, we bless you. La Pentecôte, tu dois la vivre tous les jours et tu la vivras tous les jours.
Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Nous prenons plaisir ce matin à accueillir toutes les églises Impact Centre Chrétien connectées au son de ma voix. Pouvons-nous acclamer le Seigneur pour la famille Impact Centre Chrétien. Chaque endroit qui apparaît à l'écran est un endroit où il y a une église présentielle Impact Centre Chrétien. Nous bénissons Dieu pour toute cette grande famille, cette communauté. Et nous bénissons Dieu pour la grande famille également Impact Centre Chrétien online. Waouh, quelqu'un dit gloire à Dieu. Alors avant de vous inviter à vous asseoir, j'ai deux annonces importantes à vous passer. La première annonce importante, c'est que ce jeudi soir, nous allons avoir la réunion des bâtisseurs du royaume. Pour vous faire un point de ce que ça a donné en termes de mobilisation. Depuis octobre, on s'est mobilisé de manière spéciale, de manière particulière. On va vous faire le point le jeudi soir. Je ne sais pas à quelle heure c'est. Mais en tout cas, vous aurez les informations, vous aurez un mail comme d'habitude, et ceux qui n'ont pas le mail, ben, vous avez la possibilité de d'envoyer un mail à contact à église ICC, sinon d'appeler pour avoir le lien pour ceux qui ne l'auront pas. C'est une invitation privée. Je crois qu'il y a le QR code qui s'affiche à l'écran normalement pour ceux qui sont connectés sur internet, mais pas pour ceux qui sont en présentiel. Mais vous allez avoir le QR code. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Et ensuite, l'esprit me presse de vous rappeler l'importance ô combien stratégique des 21 jours de jeûne et de prière et de supplication pour aller de gloire en gloire. Alors il y a peut-être quelqu'un qui dit « Ah, ça fait trop de jeûne et prière, ça fait trop de temps de prière. » Non mon ami, tu ne prieras jamais trop. En fait, la vérité c'est que j'ai reçu la certitude au-dedans de moi, dans mon homme intérieur, j'ai reçu la certitude que depuis le Covid, avec le Covid, les ténèbres ont envoyé un vent violent pour éteindre les lumières. Un vent violent pour désarmer les soldats. Et la vérité, c'est impressionnant de voir le nombre de gens qui ont cessé de venir à l'église en présentiel alors qu'ils venaient avant en présentiel. Ça te montre que le Covid a éteint la foi de plusieurs personnes. Et même la reprise du Covid n'a pas tout réglé parce que beaucoup de gens vont revenir à l'église, sont revenus à l'église, mais le but de Dieu, ce n'est pas que tu reviennes à l'église, c'est que tu reviennes à lui. Et c'est la prière fervente, la dynamique de prière qui te ramène à lui. Dieu n'est pas satisfait parce que tu viens à l'église, Dieu est satisfait parce que tu reviens à lui. Je t'assure qu'on peut revenir à l'église sans revenir à lui. Mais toi et moi, on va revenir. Et j'ai reçu comme un souffle, un vent violent de ténèbres qui a été soufflé sur la terre pour éteindre la foi des gens, pour éteindre les lumières, parce que les lumières dérangent la manifestation de l'Antéchrist. En tout cas, il va nous encaisser et on va être là et on va prier. Si tu n'es pas là, tant pis pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est heureux et qui sent qu'à l'intérieur de lui, quelque chose s'est passé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent qu'il n'est plus la même personne? Qu'il a pris du volume? Le poids de la gloire a augmenté. Laisse-moi te dire une chose, ce n'est pas fini. Ce n'est que le commencement et tu vas aller de gloire en gloire. Tu vas monter plus haut, franchir des paliers. Alors je t'assure, fin juin, il y aura une grosse différence entre toi qui as participé à ces campagnes et ceux qui n'ont pas participé. Tu vas avoir l'impression que maintenant c'est le jour et la nuit. Il y en a qui vont te dire, tu es là-bas, comment on fait pour te rejoindre? Je dis, bon, viens, je vais t'emmener. Parce que tu vas devenir un entraîneur. Tu vas tirer ta génération, tirer ta famille. Ah, bien-aimé, je te dis, je suis excité et enthousiaste pour ton futur. Ah, tu as raté une bonne occasion pour dire amen. Seigneur, nous te remercions. Te demandons d'inspirer les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Et de bout en bout, que tous les cultes de cette journée, dans toutes les familles Impact Centre Chrétien, et dans le corps de Christ en général, que tous les cultes soient pour ton plaisir, conduits et commandés par toi. Qualifie-nous. Nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la capacité. Nous sommes des incapables sans toi. Mais gloire te soit rendue, Père. Parce que la capacité est venue en nous par le glorieux Saint-Esprit. Honneur, louange et gloire à toi, maintenant et dans toutes les époques, au nom de Jésus, le Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.
bienvenue encore en Paxson Chrétien. We are glad to have you here. Nous sommes contents de vous avoir. Je vous amène des salutations avec Maman Maud de la famille ICC Kinshasa où nous étions le dimanche dernier et le culte était juste wow. Donc vraiment, il faut me laisser partir un peu. Il faut arrêter de me bloquer. Toi là, le pasteur est où? Sans effet. Et vous asseoir dans sa présence. Ah, quelqu'un dit gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, le titre de mon message que j'ai reçu pour toi, ça va être une réponse à une question. Donc on va profiter du contexte de la journée pour répondre à une question que la plupart des gens se posent continuellement, les gens bien disposés se posent. Et en fait, ce dont on va parler, tu le sais déjà, mais comme tu vois, le changement, il est parfois trop lent. Alors la question est reposée encore. Donc ne t'attends pas à un message nouveau, c'est toujours le même message, mais on le dit différemment. Si tu me suis, tu dis amen. Donc la question posée ce matin, c'est « Je prie pour changer, mais je n'y arrive pas. » Alors comment on fait? Je sais que c'est la question que peut-être pas toi, hein, parce que toi, tu n'es peut-être pas vrai, mais ton voisin, ta voisine, lui, elle, ils sont sincères. Il y a quelqu'un à côté de toi qui dit « C'est vraiment la question que je me pose parfois. Je prie pour changer, mais je n'y arrive pas. Comment faire? » Alors, je te dirai déjà en préambule que si tu as reçu Jésus-Christ dans ton cœur, comme porte, comme Seigneur et Sauveur, parce que recevoir Jésus, c'est enclencher la dynamique. Il est la porte, il est le commencement d'une nouvelle histoire. Si tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, alors tu dois comprendre que le Saint-Esprit, ça je sais que tu le sais, mais on le dit quand même, le Saint-Esprit est venu en toi, parce que Jésus vient par le Saint-Esprit, même si c'est évident, dis-moi quand même amen. Et depuis que le Saint-Esprit est venu en toi, la capacité de Dieu, la puissance de Dieu est venue également en toi, car le Saint-Esprit est le transporteur et le dépositaire de la puissance ou la capacité de Dieu. Et c'est cette capacité qui te donne le pouvoir de dominer sur n'importe quel péché, n'importe quelle force des ténèbres, n'importe quelle force qui t'empêche de mettre en pratique les commandements de Dieu. Si quelqu'un me suit, il dit amen. Hier, avant que ne vienne le Saint-Esprit en toi, tu pouvais dire ce que Paul a dit dans Romains chapitre 7, verset 18 jusqu'à verset 23. Il a dit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir ou encore la capacité de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le mal est attaché à moi. Car moi, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Traduction littérale, j'ai la volonté, mon esprit est bien disposé plutôt. J'ai la volonté de faire le bien, mais je n'y arrive pas. Mais moi, mon homme intérieur veut, mon esprit veut le faire. Quelqu'un me suit et dit amen. Alors je passe maintenant à la suite du texte. La version du semeur. Parce que je préfère la version du semeur à cause d'un mot simplement que tu vas voir tout à l'heure. Alors il continue le texte en disant, mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans tout mon être. Elle combat la loi qu'approuve ma raison et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Malheureux que je suis. Qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Paul, ici, décrit l'expérience de tout croyant, né de nouveau, mais qui est surpris et choqué d'être encore en train de lutter avec le péché, de lutter avec des influences, de lutter alors qu'il a la volonté de faire le bien, parce qu'il a la semence de Dieu en lui, mais il n'arrive pas à faire le bien qu'il a envie de faire, et le mal que je n'ai pas envie de faire, les critiques, les calomnies, la masturbation, la pornographie que je n'ai pas envie,
C'est ça que je fais. Oh, misérable que je suis. Je sens à l'intérieur de moi une loi qui me tire vers le bas et que Paul résume ici comme étant la loi du péché et de la mort qui agit dans mes membres. Alors Paul décrit l'expérience de tout croyant qui lutte contre le péché, qui ne parvient pas à changer, qui a envie de changer, qui ne parvient pas à changer, jusqu'à ce qu'il reçoive la révélation de ce que quand l'Esprit est rentré en lui, l'Esprit lui aussi a emmené une loi qu'on appelle la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. Alors, avant, tu pouvais dire, j'ai la volonté, mais je n'ai pas la capacité. Mais quand l'Esprit est venu en toi, en vérité, tu ne peux plus dire ça. Je sais que tu le penses, mais tu ne peux plus le dire. Tu le penses parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Mais tu ne peux plus le dire. Il n'y a rien qui est trop fort pour te retenir. C'est faux. Tu ne peux plus le dire parce que Jésus a dit dans Actes chapitre 1 au verset 8, « But ye shall receive power. » Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alors, le mot puissance, ici du mot grec dynamis, la puissance, bien aimé, et le mot dynamis signifie puissance ou encore capacité, habilité divine. Quelqu'un me suit, il dit amen. La puissance est l'ingrédient indispensable qui permet à quelqu'un de changer. On ne change pas sans avoir la capacité de changer. Personne ne change tant qu'il n'y a pas une capacité à l'intérieur de lui qui le pousse vers le changement. Et cette capacité, c'est le même mot que power. C'est la puissance qui change l'impossible en possible et qui produit dans ta vie des transformations qu'il n'est pas humainement possible d'accomplir. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette transformation n'a pas besoin de passer par des rendez-vous sur rendez-vous avec des psys. Non, elle peut se faire en moins de 24 heures, juste par une rencontre. Et crois-moi, nous sommes des multitudes de témoins à avoir été libérés de toutes sortes de vices, de saletés, de souillots qui nous retenaient sans avoir consulté. Mais simplement après avoir rencontré. Si tu n'as pas encore connu ça, tu vas connaître ça. Quelqu'un donne encore amen. Alors j'entends quelqu'un me poser la question. Mais si cette capacité de changer est en moi, alors mais la question que je pose, c'est pourquoi est-ce que je ne change pas? Je prie, mais je n'arrive pas à changer. Je prie, je suis bien disposé, j'ai la volonté, mais je n'arrive pas. Alors pourquoi je me sens toujours prisonnier? Pourquoi c'est toujours des luttes? C'est à ça que je vais répondre ce matin. En fait, tu connais la réponse. Hein? Mais ta vie me convainc qu'il faut quand même que je continue de parler de ça, puisque l'Esprit m'a dit de parler de ça. Donc on parle de ça. Ok, si tu me suis, tu dis amen. Tout d'abord, bien aimé, tu dois comprendre que la raison pour laquelle tu te sens faible, tu pries, mais tu n'y arrives pas. Je sais, tu me diras, non, non, pasteur, j'y arrive. Il y a des domaines où tu n'y arrives pas. Je sais. Il sait, toi-même tu sais. Nous savons, ils savent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît qu'il y a des domaines où il prie? Mais il y a des domaines. Je ne parle pas forcément d'un péché. Hein. Je te prends juste l'exemple de la paresse. Voilà, je mets le dénominateur commun. Tu diras, non, pasteur, moi, la sainteté, ça va. Et si on parle de la nonchalance, brabalan, négligence, on met dessus 90% des gens. Tu sais, mais tu n'y arrives pas. Alors la question est, mais comment je fais? Comment faire alors? Tu me dis que la capacité est en moi, mais pourquoi je n'y arrive pas? Et c'est ça dont on va parler. Alors il m'a dit, tu dois déjà comprendre que la raison pour laquelle tu te sens faible, tu n'arrives pas à faire ce que tu sais que tu dois faire, le bien que tu as envie de faire, tu n'arrives pas à le faire, c'est parce que Paul l'explique qu'en vérité, tous les êtres humains, depuis que le péché
est entré en Adam et s'est répandu sur tous les êtres humains, le péché a emmené avec lui une loi spirituelle qu'on appelle la loi du péché et de la mort. Et que fait cette loi ? Cette loi est rentrée par la chair, parce que le péché est rentré dans la chair. Cette loi se loge dans tes membres et elle agit comme la pesanteur. Elle a tendance à te tirer vers le bas, naturellement, sans faire d'effort. C'est une loi qui agit dans tes membres et qui a tendance à t'emmener vers le bas, à t'emmener vers la désobéissance, à t'emmener à faire ce que tu n'as pas envie de faire. Toi, tu as envie de monter comme un aigle. Tu as envie de monter vers Dieu. Tu as envie d'obéir à la parole de Dieu. Tu as envie de la mettre en pratique. Tu as envie de faire ce que Dieu te demande de faire, mais tu sens régulièrement une force qui te tire vers le bas. C'est l'expérience vécue par tous les êtres humains. Dès lors que le péché est rentré dans la chair, le péché a fait rentrer une loi qui s'appelle la loi du péché et la loi de la mort. Naturellement, sans faire exprès, elle pousse les gens à pécher et elle pousse les gens vers la mort. Si tu me suis, tu dis Amen. Si tu me suis, tu dis Amen. Donc, j'ai envie de monter, mais une force me tire vers le bas. Et ça, c'est tout le monde. Il y a au moins un domaine où tu expérimentes ça. Tu as envie, tu n'y arrives pas. Tu te sens affaibli. Or, pour expérimenter un changement radical, pour expérimenter un miracle, pour expérimenter un retournement, pour expérimenter un changement, que ce soit un changement de ton état de santé ou un changement de ton état d'esprit ou un changement dans ton âme, l'ingrédient indispensable, rappelle-toi, c'est la puissance ou encore la capacité. Est-ce que quelqu'un me suit ? Il faut donc l'activation, l'engagement, l'intervention d'une puissance, d'une capacité surnaturelle qui relâche à l'intérieur de moi une force qui va à l'opposé de la loi du péché de la mort qui me tire vers le bas. Il faut une force qui me propulse vers le haut, qui me soulève. Et c'est tant qu'il n'y a pas cette force qui te tire vers le haut, il n'y a pas de changement. Mais tu vas vivre le changement. Tu vas avoir le changement, tu vas vivre le changement au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Alors comment on fait pour vivre ce changement? Pour vivre ce changement, la présence du Saint-Esprit en toi ne suffit pas. Il est là, il a amené une loi en toi qu'on appelle la loi de l'esprit de vie. Dis avec moi la loi de l'esprit de vie. Mais cette loi, bien-aimée, elle doit être activée. Parce que c'est la seule loi. Ce n'est pas la religion qui change quelqu'un. Ce n'est pas la religion qui fait ça. La religion peut changer quelqu'un, bien sûr. Mais nous, on parle d'être transformé pour ressembler à Dieu. D'être transformé pour marcher comme Dieu. D'être transformé pour refléter l'image et la ressemblance de Dieu. Alors ça, ce n'est pas la religion. Ça, il faut que la loi de l'esprit de vie, c'est la seule loi qui est capable d'affranchir. C'est ce qu'il dit, hein? C'est ce qu'il dit dans Romains chapitre 8, verset 2. Il n'y a désormais plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent, non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La seule loi qui permet à quelqu'un de changer, de refléter Christ, de rassembler à Christ, la seule loi qui le libère, c'est la loi de l'esprit de vie. C'est la seule qui délivre du diktat imposé par la loi du péché et de la mort qui agit dans tes membres. Si tu me suis jusqu'à présent, tu dis Amen. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ agit exactement comme la loi de l'aérodynamique. La loi de l'aérodynamique, c'est celle qui permet aux oiseaux de voler, malgré la pesanteur. C'est celle qui permet aux avions, aux hélicoptères, aux objets volants de se déployer comme des aigles dans l'air. Malgré le fait qu'il y a une loi d'attraction qui attire tout vers le sol, il y a des gens qui continuent de voler. Ce n'est pas que la première loi a été anéantie, c'est juste qu'ils opèrent selon une autre loi. Ils sont portés par une autre loi qui les maintient en l'air. C'est la dimension où tu opères. Si c'est à toi que je parle, donne un meilleur Amen. Alors tu comprends. Dès lors que le Saint-Esprit est en toi, cette loi est en toi. Mais elle n'agit pas automatiquement, mais elle est déjà en toi. Et c'est pourquoi d'ailleurs, dans 2 Corinthiens 3, au verset 17, il est écrit, « Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit.
Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alors tu vas me dire, mais je n'exprime pas cette liberté. C'est parce que la loi de l'Esprit de vie n'est pas activée. Mais sinon, normalement, là où est le Saint-Esprit, là il y a la liberté. Là où il est, il y a la liberté. Oui, mais je ne vis pas la liberté. C'est parce que tu n'as pas activé la loi de l'Esprit de vie. C'est la seule loi qui a franchi. C'est-à-dire, elle libère. Là où tout le monde est tiré vers le bas, toi tu voles comme un aigle. Je te dis, il y a quelqu'un qui est connecté au son de ma voix qui ne sera plus jamais esclave ni du péché, ni des démons, ni du diable. Pourquoi? Une loi, quand tu l'engages, quand tu engages cette loi et que tous les jours tu marches selon cette loi, tu vas remarquer une chose, hein? Tous les jours les oiseaux volent. Tu sais pourquoi? Après, à un moment donné, ils se posent au sol. Hein? Mais quand ils ont décidé de quitter le sol, ils activent la même loi de l'aérodynamique. Et tous les jours, tu les vois voler. Donc toi, tu vas voler tous les jours. Comme un aigle. Tu vas te déployer tous les jours comme un aigle. Ton amen est trop petit pour recevoir cette parole. Je préfère ça. Amen, amen. Acclame Jésus, acclame Jésus. Là où est l'esprit, il y a la liberté. Je ne vis pas la liberté. Il m'a dit, c'est parce que tu n'as pas activé la loi. Ah, la question, Seigneur, comment on active cette loi? La loi de l'esprit de vie, c'est la seule qui a franchi de la loi du péché. Comment on l'active? Il m'a dit, on active la loi de l'esprit de vie lorsque, quand on dit on active la loi de l'esprit de vie, il faut que tu comprennes que cette loi est manifestée par une puissance. Comment on l'active? On l'active lorsqu'on fait de l'esprit le sujet, l'objet de notre quête, notre focus, notre désir, notre soupir, notre soif. Lorsque c'est vers lui qu'on oriente désir, la quête, lorsque c'est lui qu'on cherche jusqu'à le trouver. Eh oui. Lorsque le soupir en premier, c'est lui. Quand on parle de chercher le Saint-Esprit, on parle de chercher Dieu. C'est Dieu le Saint-Esprit. C'est Dieu par son esprit. C'est juste que c'est la dimension de Dieu qui est venue habiter en l'homme. Donc du coup, on ne regarde plus au ciel en demandant « Tu vas venir quand ?» Il est déjà là. Quand on parle de le chercher, on ne parle pas de regarder au ciel. On parle de rentrer dans un type de prière, de relation, de supplication, où on veut le connaître, où on veut le découvrir, où on veut l'aimer, on veut l'expérimenter, on veut le voir, on veut le découvrir, on veut lui. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. En gros, tout ce qui concerne votre vie, ne vous inquiétez pas, si vous entendez, ne cherchez pas, ne soupirez pas. Quand vous pensez à votre vie, ne soupirez pas après, qu'est-ce que je vais porter, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais marier, comment je vais avoir de l'argent. Pour votre vie, ne vous inquiétez pas pour votre vie. N'orientez pas. Alors, s'il dit, ne vous inquiétez pas. Et qu'au verset 33, ça c'est au verset 25, c'est le même contexte. Et qu'au verset 33, ils disent, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Rappelle-toi de ce qu'on a dit une fois. Ça veut dire que ce pourquoi tu t'inquiètes révèle ce après quoi tu es en train de soupirer. Ce dont tu as soif. Ce que tu désires ardemment. Sauf que Jésus t'a prévenu, il nous a prévenu, il a dit ne vous inquiétez pas. Ça veut dire ne soupirez pas après comment je fais pour me marier, comment je fais pour passer la crise, comment je fais pour le travail. Oh Seigneur, comment je fais? Jésus dit non, ne vous inquiétez pas de ça. C'est pas vers le mariage, le travail, l'argent, la richesse que doit s'orienter votre soupir. Parce que même lorsque vous les aurez, vous vous sentirez toujours faible et toujours vide à l'intérieur.
Si tu ne me crois pas, je t'assure. Pose la question aux gens qui ont trouvé le mariage, qui ont trouvé l'argent, qui ont trouvé le travail, qui ont trouvé les choses. Demande-leur sincèrement. Ils te diront toujours qu'à l'intérieur d'eux, il y a toujours un vide. À l'intérieur d'eux, il y a toujours un sentiment de faiblesse. Ils ont l'argent, mais ils n'arrivent pas à prier. Pourquoi? Parce qu'ils sont faibles. Mais il y a une personne, quand tu le trouves, tu ne connais plus la faiblesse. Tu ne connais plus les angoisses, tu ne connais plus l'inquiétude, tu ne connais plus la peur. Quand tu l'as trouvé, ces choses ont disparu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Littéralement, inquiétez-vous. Bon, c'est pas bon de s'inquiéter, hein, mais orientez votre soupir, orientez vos désirs, orientez votre quête, votre soif, orientez-la premièrement. Écoute-moi, il n'a pas dit uniquement, il a dit premièrement. Ça veut dire qu'en fait, tu as le droit d'avoir d'autres soupirs, des besoins, c'est normal. Mais ne commence pas par les besoins, ne commence pas par le mariage, ne commence pas par le travail, ne commence pas par la bénédiction, ne commence pas par la richesse, commence premièrement par lui. Ah, donne un meilleur amen, non? Hein? Il m'a dit, c'est lui d'abord, c'est uniquement à propos de lui que Jésus a dit, cherchez. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de quoi vous serez vêtu. Ça veut dire, ne cherchez pas ça. Mais si tu l'as cherché, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toi et moi, on a vu que le royaume de Dieu, Marc chapitre 9, au verset 1, le royaume de Dieu est manifesté par une personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Quelqu'un dit amen. Donc, c'est lui qu'il faut chercher jusqu'à le trouver. Et quand on l'a trouvé, l'Esprit m'a dit, quand on l'a trouvé, ça veut dire qu'on l'a rencontré. Quand on l'a rencontré, c'est là qu'on entre dans l'expérience. C'est là, quand on l'a rencontré, parce qu'on a cherché, on a désiré, on a soupiré ardemment. Quand on l'a trouvé, quand on l'a rencontré, c'est là qu'on touche, boum, des fleuves d'eau vive qui jaillissent de l'intérieur de nous. C'est un tsunami. C'est une source intarissable. C'est une puissance qui est réveillée. Qui vient d'où? De l'intérieur. Et qui agit à l'intérieur. Pouf! Et tout ce qui était faiblesse est soulevé et emporté. Et tout ce qui était manquement, la clé s'est trouvée. Tout commandement de Dieu, que tu avais du mal, j'aimerais bien marcher dans la sainteté, je n'y arrive pas. Quand tu l'as trouvé, tu as trouvé des fleuves d'eau vive. Quand tu l'as trouvé, une puissance jaillit, la capacité. En fait, il m'a dit, il m'a dit, la capacité, la loi de l'esprit de vie, la capacité est activée. La loi de l'esprit de vie est activée. Pas lorsque tu pries, mais lorsque tu le cherches jusqu'à le trouver. Je répète, la puissance de Dieu n'est pas déclenchée par la prière. La capacité intérieure est déclenchée lorsqu'on l'a trouvée. Même pas quand on l'a cherchée, quand on l'a trouvée. Donc, chercher, c'est une activité. Trouver, c'est le but. Ne dis pas, j'ai cherché Dieu, j'ai cherché. Le but, c'est pas de chercher. Tu dois chercher, continuer de chercher, continuer de supplier, d'implorer, d'invoquer, jusqu'à quand, pasteur, jusqu'à ce que tu le trouves. Et laisse-moi te dire une chose, quand tu as trouvé Dieu, tu sais que tu l'as trouvé. Ah, shalabrako, sialabakaya. Quand quelqu'un a trouvé Dieu, on le sait. Son visage n'est plus le même. Son cœur n'est plus le même. L'inquiétude qu'il avait. Quand quelqu'un a trouvé Dieu, il devient humble, il devient simple, il devient ému. Il ne faut pas beaucoup. Hein.
Dès qu'il commence à chanter, quand il descend, l'atmosphère. Quand quelqu'un a trouvé Dieu, il y a des chansons simples. Hein? Dès que tu entends, ça devient. Il y en a là. Il faut d'abord lever les mains. Le Saint-Esprit est là. On doit chanter. Et puis la chorale doit faire sortir ça. Le Saint-Esprit, il écoute tout. Il écoute tout parce qu'il est comme un imperméable. Tu vois, non, il est imperméable à la présence de Dieu. Donc, il faut chanter, 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 chanter. Il y en a comme David. Dès que tu entends, Mando la bâche. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe. Je vais te dire, quand tu ne l'as pas trouvé, ceux qui ne l'ont pas trouvé, ils chantent couplet 1, refrain 2, refrain 3, refrain 4. Mais quand tu l'as trouvé, tu n'as pas besoin de tous les refrains. Tu as entonné, dès qu'il atterrit, tu bascules dans le chant nouveau, le chant prophétique, l'esprit prophétique. Aïe, 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 aïe. Matosike telema, rokotoya, malalama, sekatalama. Oh, ah, bien-aimé. Tu sais très bien que c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, qui est en train de te parler. Et comme la grâce est transférable, je prie que cette grâce t'habille, te localise. Oh, chaladomokosia. Ceux qui ne l'ont pas trouvé, ils vont chanter, 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 chanter. Ah! Ils ont les livres. Livres. Refrain 1. Le 1 dit. Les maladies, bon c'est bien, tout à l'heure c'est pas mal, mais bon. Refrain 2, les aveugles voient. Le refrain 3, les paralytiques, c'est formidable. Le refrain 4, c'est quoi? Et le 5, et le 6, je vais t'emmener à une dimension où on laisse ça. Je vais t'emmener à une dimension où on l'a trouvé. Malaro, shilalelama. Quand tu l'as trouvé, tu sais ce qui se passe? C'est lui qui te donne les paroles que tu dois chanter. C'est pour ça que le psalmiste dit, des paroles pleines de charme bouillonnent de mon cœur. Mais ce n'est pas des paroles que j'ai entendues. Ce n'est pas des paroles que le livre, le texte, le livre de chant dit. Ce n'est pas ça. Ce sont des paroles que lui te dit. Chante ça comme ça. C'est ça. Et c'est en temps réel. Hein? Donc tu entends, tu dis, tu entends, tu dis. Tu n'as pas entendu la fin. Tu entends en temps réel. Des paroles pleines de charme bouillonne de mon cœur. J'ai dit, mon cantique est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain et qu'une mélodie à la louange et à l'honneur de mon héros, de mon sauveur jaillisse du plus profond de moi. Des fleuves d'eau vive. Ben on est ensemble. Non mais attends, quand on chante à l'église, c'est normal qu'on chante les différents refrains. Moi je parle de toi dans toi. Tu es là tout seul, à la maison ou à l'église, quand tu chantes tout seul, quand tu es obligé de passer tous les refrains en boucle, ça c'est pas normal. C'est pas l'esprit prophétique. Mais tu vas rentrer dans l'esprit prophétique. Ah oui. Ah oui. C'est la grâce de la maison. Et cette grâce vient t'habiller. Ah, aïe, 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 aïe. Si quelqu'un avec moi, il donne la main comme le tonnerre. Alléluia. C'est lui. Il m'a dit, la loi de l'esprit de vie, la puissance, la capacité pour changer est en toi, mais elle n'est pas activée tant qu'il n'est pas la priorité, tant que tu ne l'as pas trouvé. Alors, tu peux demander à Dieu des choses, présenter à Dieu tes besoins. Mais tant que tu ne l'as pas trouvé, tu as prié, tu as présenté des besoins, des supplications, mais quand tu as fini, tu te sens toujours vide. Et tu te sens toujours faible face au même péché. C'est pour ça qu'il y a des gens, ça fait longtemps que tu pries. Mais la prière est censée fortifier. Pourquoi chez toi la prière ne te fortifie pas? Pourquoi chez toi la prière ne te donne pas la capacité de dominer le péché? Parce que tu pries mal. Tu présentes les besoins alors que tu n'as pas d'abord trouvé lui. Est-ce que quelqu'un me suit?
Les fleuves d'eau vive n'ont pas encore été relâchés. Tu ne l'as pas rencontré. Il ne t'a pas irradié. Tu n'as pas été foudroyé par la rencontre. Est-ce que tu as remarqué que même dans le modèle de prière de notre Père que Jésus a donné, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ne vient que plus tard. Ça ne vient qu'après avoir commencé par notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton gouvernement, le glorieux Saint-Esprit, vienne aux commandes. Que ton règne vienne. Ce n'est pas que le Saint-Esprit soit là. Ça veut dire que le Saint-Esprit vient me posséder. Vient me commander, me gouverner, me saturer, me conquérir, me circoncire, me coloniser, me conformer. Viens, je t'en supplie. Là, je suis en train de le chercher. Je dois attendre qu'il vienne. Quand il est venu, c'est là que tu l'as trouvé. Quand tu l'as trouvé, je te répète, tu le sais. Parce que tu... C'est une plénitude. C'est un embrasement. Quitte le stade de la prière pour prier. Il m'a dit, tu peux prier toutes les prières que tu veux. Reconnais une chose. Même quand tu as prié, tu te sens apte, tu te sens vide. Le péché vient, tu n'as pas la force de lui résister. Pourquoi? C'est parce que tu as commencé à demander à Dieu, Seigneur, agis, mariage, travail. Mais tu ne l'as pas d'abord trouvé. Tu ne l'as pas rencontré. Il n'y a pas eu le... Il faut d'abord le trouver. Le rencontrer. Le contempler. L'expérimenter. Après, c'est lui qui va venir te prendre par la main et te conduire. Je vais te le dire un peu différemment. Pour gagner du temps. Lorsque, comme Paul et Silas, dans Actes 16, verset 25 à 26, lorsque, comme Paul et Silas, tu te retrouves en prison, la prison de la maladie, la prison du divorce, la prison du rejet, la prison de la peur, la prison de l'impureté, quelles que soient les prisons, lorsque, comme Paul et Silas, tu te retrouves en prison, ne prie pas pour sortir, premièrement, de prison. Non. Quand tu te retrouves en prison, comme Paul et Silas, ne prie pas pour sortir de prison. Prie pour que Dieu atterrisse dans ta prison. Shokabalatosia. Demande-lui d'atterrir. Voilà pourquoi, quand ils se sont retrouvés en prison, Paul et Silas n'ont pas dit « Oh Dieu, sauve-nous, on nous accusait injustement, on nous arrêtait. » Non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont entonné des louanges. Ils ont commencé, dit la parole, « Ma tu zeketea. » Ils ont chanté les louanges de Dieu. C'est-à-dire, ils ont invité Dieu, ils ont adoré Dieu, ils ont supplié Dieu dans la prison. Ils n'ont pas dit « délivre-nous », ils ont dit « viens ». La clé, quelle que soit la prison dans laquelle tu es, ne commence pas par « le problème c'est ça ». Non, dis-lui « s'il te plaît, toi viens ». Parce que lui c'est un Dieu jaloux. Il n'aime pas te voir enfermé dans une prison qui n'est pas sa prison à lui. Quand tu n'es pas son prisonnier, il n'aime pas, parce qu'il est jaloux, que quelqu'un te garde prisonnier. Que la peur, que le divorce, que l'échec, que le rejet te garde prisonnier. Alors demande-lui d'abord de venir, viens dans cette prison. Maintenant, comme pour Paul et Silas, quand il vient dans la prison, la première chose, il est tellement jaloux et en colère. Parce que ta soif l'invite. Ton désir ardent de lui, c'est une invitation. Quand il voit ce cœur assoiffé de lui, il dit « Gabi, Mike, Séraphin, chérubin, archange, on descend, allez, on y va, chalema, brocotosia, chalema, kataya. » Et quand il descend, oh, c'est là maintenant que tu peux dire, quand, c'est pas ça, toi là, c'est maintenant, quand il descend, oh, oui, tout s'arrête, il y a, qu'est-ce qu'il arrive? Il y a un transfert, une échelle entre le ciel et la terre. Quand il descend,
L'atmosphère change. Il y a transfert. Oh, il y a un transfert entre. C'est là maintenant qu'il arrive. Là maintenant, j'entends les disciples dire le Saint-Esprit. Et ça, c'est juste pour le silence, hein? Le Saint. Oh, il accueille seulement. Il accueille seulement. Et pendant qu'ils sont en train de l'accueillir, hein, lui, il arrive. Il va d'abord commencer à régler les comptes, hein, des fondements de la prison. Tape dessus. Boum! Les fondements furent ébranlés. Ensuite, il va vers les portes des prisons. Qui vous a fermé? Les portes disent, c'est pas nous, c'est le geôlier qui a fermé. C'est le geôlier. Il dit, allez, il ouvre les portes, toutes les portes des prisonniers. Oh, oh, oh. Les portes des prisonniers s'ouvrirent. Et c'est seulement quand il vient, il ébranle le fondement, il ouvre les portes des prisons. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il te prend toi. Et c'est lui qui te fait sortir. C'est pas toi qui sors. C'est lui qui te prend par la main pour te faire sortir. Pourquoi? La puissance a été relâchée. Pas parce qu'ils ont prié. Pas parce qu'ils ont intercédé. Ils ont jeûné. Ils ont dit, oh non, non. C'est parce qu'ils ont fait de lui la priorité. Il m'a dit, c'est la priorité sur lui seul. Pas sur ta situation, pas sur ta condition, mais sur lui seul qui déclenche la puissance, qui déclenche son intervention. Maintenant, quand il intervient, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il saccage les fondements, il juge ce qui t'avait enfermé, et puis il te prend par la main, puis c'est lui maintenant qui te fait sortir. Maintenant, remarque, regarde, quand il a fait sortir Paul et Silas, il m'a dit, tu vois, si tu sors toi-même de la prison, tu étais enfermé. Si tu sors de la prison tout seul, tu vas sortir fâché. Tu sors fâché. On va enfermer ici. Espèce de... Je vais vous juger. Le problème, c'est que le centenier, il n'a fait qu'obéir aux ordres. Ce n'était pas quelqu'un de méchant. Le geôlier, il y a des gens, ils n'ont fait qu'obéir aux ordres. L'Esprit m'a dit, quand c'est Dieu qui les a fait sortir, leur premier réflexe et leur première visite, c'était la maison du geôlier qui les avait enfermés. Pour lui annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'il m'a dit, ce monsieur n'était pas méchant. C'était pas un méchant. C'est quelqu'un qui était un soldat qui n'a fait qu'obéir aux ordres qu'on lui a donné. Lui aussi, il avait besoin d'être sauvé. C'est ça, marcher par l'Esprit. Il sait que chacun d'entre nous a des besoins légitimes. On a des désirs, on a des besoins légitimes, et puis on a des désirs. Il n'est pas contre ça. Voilà pourquoi il dit chercher, premièrement, les mariages, travail, délivrance, guérison. Il n'a pas dit de ne pas prier pour ça. C'est faux. Ah non, c'est faux. Il n'a pas dit de ne pas prier pour ça. Mais il a dit une chose. Et fais confiance à Dieu quand il te dit une chose. Il a dit, je vais te donner une grande révélation. Dieu a dit, toi et moi, nous ne savons pas comment il faut prier. Toi, tu veux commencer. Oui, Seigneur. Dieu dit, tais-toi. Je te répète. C'est pas moi, hein? C'est Romains. Romains 8, 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Ah, si, pasteur, moi je sais, j'ai ma liste. Ok, il recommence encore. Tu ne sais pas ce qu'il convient de demander. Tu ne sais pas. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs, c'est-à-dire Dieu le Père, connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu que l'Esprit intercède en faveur des saints. L'Esprit est le seul à connaître la pensée du Père. L'Esprit est le seul à savoir intercéder. L'Esprit est le seul à savoir te dire comment il faut prier. Comment le Père veut que tu pries maintenant. Qu'est-ce qu'il faut dire? Il n'y a que l'Esprit. Toi, tu dis, moi je sais. Il dit, tu ne sais pas. J'ai mes sujets de prière préparés. Il dit, tu ne sais pas.
si l'Esprit ne te prend pas pour t'entraîner, pour te dire, là, ici, action de grâce. À quel moment tu sais que là, c'est l'action de grâce? Là, c'est l'adoration. Là, c'est l'intercession. Là, c'est la supplication. Là, ce sont les requêtes ou les pétitions. Comment tu fais pour savoir ça? Ah non, mais nous, on a notre carnaval, hein, dans notre église, nous, quand on prie, on commence toujours en invoquant d'abord le sang de Jésus. C'est à cette école-là que moi, j'ai grandi avant de découvrir l'école de l'Esprit. Donc, on avait notre rituel. Dès que toute prière, on commence par prier. On demande d'abord pardon pour nos péchés. Le problème, c'est que tu demandes pardon pour tes péchés, mais il ne te convainc même pas de péché à cet instant-là. Il ne te montre même pas quel péché tu dis. C'est ton rituel. Pardonne-nous nos péchés, cachés, connus, involontaires. Après, nous avons encore le sang de Jésus pour nous purifier de tout péché. Et puis maintenant, après, on attaque. Au nom de Jésus, Satan, on vient contre toi. Hein? On a grandi à l'époque. Toi, tu es bienheureux, toi qui as grandi à un Pax San Chrétien. Tu n'as pas aidé de ce que nous, on a expérimenté avant de découvrir l'école du glorieux Saint-Esprit. Oh, Paratosia Nemataya. Shila Labaya, le Kantosia Lama, il est la Malia, l'immanero. Tu es, demande à Pasteur Serge, nous tous là, on est passés par la même école. Tu n'as pas le droit d'avoir une prière. On ne nous a pas appris à prier par l'Esprit. C'est là qu'il est écrit, Ephésiens 6, 18, « Faites en tout temps par. » Le mot « par », il n'a pas dit « en esprit ». « En esprit », ça veut dire « en langue ». Mais il dit « Faites en tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières, de supplications. » Mais à quel moment je prie comme ça? Je prie comme ça? Toi, ce qui t'intéresse, c'est « Moi, je vais demander à Dieu, j'en ai marre. » Ça fait 10 ans, 20 ans, et pas d'enfant, pas de mariage. Seigneur, mariage maintenant. Il t'a dit, qui t'a dit de venir devant Dieu en disant, Seigneur, mariage maintenant? Donc, il y a des prières que tu fais. Le Père tourne la face. Le Saint-Esprit dit, c'est pas moi qui lui ai dit de prier comme ça. Ah non, Père, c'est pas moi. C'est lui-même, c'est son pasteur qui l'a éduqué comme ça, c'est pas moi. Donc, du coup, tu as prié, et tu as prié avec zèle. Hein. Tu as même jeûné. Chalaba, mariage, travail, boulot. Et quand tu as fini la prière, le même esprit de découragement, le même esprit de lourdeur est toujours en toi. Tu as prié, mais tu n'as pas rencontré power. Tu n'as pas rencontré la... Chakatale, remali, kotile, mali, la malé, le messie. Oh, oh, je sais que tu n'as pas envie d'acclamer, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'acclamer le glorieux Saint-Esprit? Aïe, 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 aïe. J'en ai contre la barama. Chielelo, Jehoa, Chebrakatanama, la Romo, Saya. Bien aimé, faites en tout temps par l'Esprit. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire prier. Il dit toutes sortes de prières que tu fais. Il faut que ce soit l'Esprit qui te prenne par la main, qui te saisisse, qui t'instruise. Même si tu as préparé tes sujets, il faut que tu lui laisses la possibilité en temps réel. Soit il t'a parlé avant, soit il te parle en temps réel. Il te dit ta liste, mets-la de côté. Ton message, mets-la de côté. Tes idées, mets-la de côté. C'est moi qui vais te guider. Il faut que ce que tu dis soit guidé, commandé par lui. Du coup, quand c'est par lui que tu es en train de prier, ta parole est puissante. Tes déclarations sont puissantes. Mais si ce n'est pas par lui, c'est par ton intellect, c'est par tes habitudes, c'est par ta culture religieuse. Non, nous, on a notre schéma. D'abord, repentance, le sang, et on mitraille les démons. Ça, c'est toi. Tu ne pries pas par l'esprit. Tu pries avec ton intelligence. Un jour, j'ai un pasteur. Parce que tu vois, parfois, quand on prie, on peut être zélé et fougueux. Hein. Mais ce n'est pas l'esprit. J'ai un pasteur qui priait. J'étais là-haut sur la mezzanine. Ça fait plusieurs années. Il était là, en train de conduire la prière. Et puis il dit à un moment donné, nous allons prendre autorité. Nous allons détruire tous les hôtels de Paris. Tous les hôtels sataniques de Paris. Élevons la voix. Détruisons-les. J'étais sur la mezzanine. Dès qu'il a dit ça, instantanément,
J'ai entendu la voix de l'Esprit me dire, annule sa prière. Donc j'étais là-haut, je n'ai pas pris le micro. J'ai dit, Seigneur, je demande pardon pour cette prière. J'annule toute cette prière. J'annule les effets de cette prière. Et je couvre l'assemblée qui est en train de prier du sang de Jésus. Parce qu'il m'a dit, si tu n'annules pas cette prière, ceux qui sont en train de participer à cette prière vont avoir des dommages, des représailles qu'ils n'ont jamais vues. Certains peuvent mourir, d'autres peuvent avoir des accidents. Pourquoi? Je n'ai pas dit de prier comme ça. Je n'ai pas dit de faire ça. Vous voulez l'attaquer? Même pas les hôtels qui sont établis dans la vie des gens qui sont connectés, non. Mais tous les hôtels de Paris. Non mais, il y a des gens qui ont prié comme ça, il y a eu des cadavres. C'est ce qu'on appelle des blessures inutiles, des dégâts inutiles, des dommages collatéraux. On ne prie pas n'importe comment. Il faut que ce soit l'Esprit qui, à cet instant-là, te dise maintenant, vas-y, fais comme ça. Mais pour que l'Esprit te dise comment prier, il faut que tu aies passé du temps à le supplier, à le désirer, à le chercher, jusqu'à ce que tu saches que maintenant, tu l'as trouvé. Regarde comment prie le pasteur Ivan. Regarde comment prie le pasteur Ivan. C'est jamais de la même manière. Regarde-le bien. Il est comme un enfant. Il attend. On peut commencer par l'adoration. Commencer par la supplication. Et brusquement, à un moment donné, tu as l'impression que l'atmosphère est devenue une fournaise. Et maintenant, il est en train de prononcer des sentences, des jugements. Il n'arrive pas pour dire, mais ça dépend des jours. Il y a aussi des jours où dès qu'il commence, il émet des jugements. Qui inspire tout ça? L'Esprit. Tu n'as pas le droit de prier comme tu veux prier. Parce que ça t'expose à des représailles, à des blessures, à des dommages collatéraux. Parce que tant que tu ne pars pas sur sa parole, tu pars tout seul. Et c'est terrible. Ce n'est pas tout de jeûner. Ce n'est pas tout de prendre autorité. Encore faut-il que quand tu prends autorité, ce soit lui qui soit en train de t'inspirer les paroles qui sortent de ta bouche. Et que ce soit à cet instant précis la chose que tu dois faire. Alors, comment tu fais pour ne pas te planter? Cherche-le, désire-le, aie soif de lui, attends-le, attends, ne va pas sans lui, attends, attends. Ne dis pas, j'ai fait le rituel habituel, maintenant je suis prêt. Bah, j'ai invoqué le sang, je peux engager. Non, attends, soupir, soupir, soupir. Tu sauras, parce que tu sais entendre sa voix. Tu vas apprendre à entendre sa voix, tu sauras quand il te dit go. Quand il n'a pas dit go, n'y va pas. Voilà pourquoi il m'a dit. Valorise, désire, connecte à tout programme de prière où l'objet principal de la prière, c'est lui. Là, connecte. Il y en a, non. Moi, je me connecte seulement quand on dit prière de guérison. Je me connecte. Délivrance, je me connecte. Mais quand c'est cherchons-le d'abord, rencontre divine. Ah! Moi, je vais là où on dit mariage. Tu vas sortir de la prière du mariage. Tu vas te sentir vide et faible et toujours en proie aux mêmes luttes, aux mêmes combats, aux mêmes faiblesses. Parce que la clé du changement, c'est commencer premièrement par lui. Jusqu'à ce qu'il vienne, qu'il te possède, il t'embrase, il te remplisse. Maintenant, il te conduit. C'est la dimension où tu opères. Oh, accorde-nous la grâce de comprendre. Quelqu'un a compris ce que Dieu voulait dire? Monte de niveau, monte de niveau, monte, monte, va plus haut. Il n'y a aucun joug qui ne puisse pas détruire. Il n'y a aucune addiction dont tu ne puisses pas, aucune dépendance, aucun péché, aucune force dont tu ne puisses pas te libérer. Si tu ne te sens pas libéré, c'est parce que tu pries mal. Tu cherches la délivrance de la prison. Au lieu de chercher l'intervention
l'atterrissage dans la prison. Toi-même viens. Hey, toi la beauté aussi. Mon ami, j'ai appliqué ça à la sirène des eaux. On m'a dit, il faut prier, combat, combat. J'ai fait tous les combats, ça ne sort pas. Tous les soirs, je fais des rêves impurs. Arrête de prier, ça ne marche pas. Arrête de prier. Au nom de Jésus, arrête. Demande-lui de venir. Désire-le lui. Trouve-le lui. Cherche-le lui. Aie soif de lui. Dis-lui que c'est lui seul que tu désires. Dis-lui que tu n'as pas la capacité. Il te dit, c'est pas grave. On m'appelle la capacité de Dieu. Power of God is back. C'est ça la Pentecôte. Oh. Acclame Jésus pour la Pentecôte. La Pentecôte. Oh. Chale Kotosia. Mare do malarobo. Chalaramaniele ramanirama. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et quand il descend. L'atmosphère change. Il y a entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Magnifique, il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oh, dis-lui, quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a transfert, il y a transfert, il y a transfert. Quand tu descends, tu te manifestes. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, tout s'arrête, l'atmosphère change. Il veut t'emmener dans le prophétique. Il veut, quand tu descends, il me dit qu'il veut emmener un peuple dans le prophétique. Pas une personne, un peuple dans le prophétique. Les prières prophétiques, les déclarations prophétiques, l'onction prophétique, la grâce prophétique, les hommes et les femmes qui sont commandés au son. Aïe, aïe, aïe. Qui chante par l'esprit, décide par l'esprit, parle par l'esprit, pense par l'esprit, choisis par l'esprit. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Il y a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Des soirs. Hey, hey, hey. Ah, baptise. Jésus baptise quelqu'un de feu. Maintenant. Saisis quelqu'un. Saisis des langues. Colonise la bouche de quelqu'un. Maintenant. Langue de feu. Baptême de feu. Maintenant. Oh, si à la main. Oh, some God. Le Saint-Esprit est là. Chez les balalama, il cotosi à les mains. Le Saint-Esprit. Oh, viens nous coloniser. Viens nous gouverner, nous commander, nous instruire, nous montrer la voie à suivre. Viens étendre ta main. Viens guérir par les meurtrissures de Jésus. Viens. La vigueur de Christ a des corps remplis de douleur. Mesdames, guéris les corps malades, guéris les cœurs brisés, relâche. Power of God. Dieu malade, monsieur la main, Dieu qui était la main. Réveille les dons, déverse les dons. Les grâces spirituelles, relâche les grâces. Saint-Esprit, distribue les dons, c'est ta volonté.
à toi, saisis, à toi, 1, 2, 3, saisis quelqu'un à qui tu as envie de distribuer des grâces et dons. Maintenant, le Saint-Esprit est là. C'est à la maman au ciel. Que l'état des cieux du diable, là où le diable avait alourdi, avait asphyxié, avait étouffé, avait serré, avait enlacé quelqu'un. Je brise cet état de siège. Je réprime le serpent. Je réprime le dragon. Je réprime cet esprit qui empêche mon frère et ma soeur de marcher en nouveauté de vie. Satan, je brise ton état. Diable, je brise ton état. Maintenant, le Saint-Esprit. Je réprime cette addiction, cette dépendance, cette mauvaise habitude. Au nom de Jésus, relâche la grâce de te chercher jusqu'à te trouver. Jusqu'à te trouver. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Oh, Malotosia. Le Saint-Esprit. Oh, ça m'a. Oh, veux-tu lever les mains pour l'honorer? Pour l'honorer. Acclame la présence. Acclame la présence de Dieu. Il est là. Oh, Samka. Le Saint-Esprit est là. C'est la fin de ta faiblesse. C'est la fin de ta faiblesse. C'est la fin de ton incapacité. C'est la fin. La colère finie. L'amertume finie. La pornographie. L'inceste. La rébellion. S'arrête. Le rejet. Dégage. Bienvenue au plus fort. Au plus magnifique des chefs d'État de l'univers et de l'éternité. Bienvenue au paraclet. À celui qui m'assiste, qui me porte, qui me remplit, qui me conduit, qui me ceinture, qui m'emprisonne, qui m'enferme. Oh, qui me sert de force. Ah, je ne suis pas faible. La capacité, la puissance de Dieu a été relâchée. Là où se trouve l'Esprit du Seigneur, c'est là. C'est pas là-bas, c'est là qu'est la liberté. Il est en toi. Oh, le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Il est là. Oh God. Nous acclamons ton dépôt, nous acclamons ta présence, nous acclamons ton ministère, nous acclamons ta main étendue, ton intervention dans le nom de Jésus le Christ qui a frayé le chemin pour ton retour. Awesome God, we thank you. We praise you. Tu vois pourquoi il nous faut les 21 jours? Ça sera tous les jours, 21 jours conduits par l'Esprit. Dieu a trop à faire dans ta vie. Il a trop de téléchargements. Un culte ne peut pas permettre ça. Il faut une plateforme. Rendez-vous vendredi le 21. Les brocotosia. Oh, Shilalenu Malay. C'est une école à laquelle il a commencé à t'entraîner et il m'a dit, sa volonté, c'est d'enfanter un peuple prophétique, une église prophétique, des gens qui ne font rien par leur intellect. En toute chose, c'est l'Esprit qui les conduit. Bienvenue à la dimension de la vie de l'Esprit. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, n'attends pas un jour de plus.
fais ce choix aujourd'hui. Parce que Jésus est le commencement, Jésus est la porte. Une vie transformée où on marche à l'image et à la ressemblance de Dieu, la religion ne peut pas te l'offrir. Il faut que Jésus vienne par son esprit et te prenne par la main et te conduise comme il nous conduit. Alors si tu ne le connais pas, si tu ne lui as pas donné ta vie, ou si tu l'as abandonné, reviens aujourd'hui. N'attends pas demain. Demain n'est qu'une espérance. Comment faire, pasteur? Incline la tête. Fais cette prière avec moi. Cette prière simple. Dis seulement, Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Pardonne ma misère. Je reconnais que je suis loin de toi. Ramène-moi au Père. Change ma vie. Sois mon sauveur. Sois mon Seigneur. J'ai prié ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Fais cette prière. Si tu es là, connecté en présentiel, que cette prière t'a touché, elle te concerne, ne regarde ni à gauche ni à droite. Ton voisin n'est pas ton sauveur. Ta voisine ne peut pas te sauver. Alors ne regarde ni à droite. Reconnais-le publiquement afin que lui aussi te reconnaisse publiquement devant le Père au jour du jugement. Alors si tu as fait cette prière pour la première fois, ou alors tu t'es reconsacré au Seigneur et tu sais que tu t'es éloigné, viens vite ici devant, vite, parce que le temps est passé. Viens vite là. Si tu es connecté sur internet, envoie le mot salut au numéro qui s'affiche à l'écran. Il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un seul pécheur se repent. Alors pendant qu'on est en train d'acclamer le Seigneur, il y en a un, il y en a deux que je vois. Où sont les autres? Dépêche-toi. Aujourd'hui pour toi est le jour du salut. Aujourd'hui pour toi est le jour de délivrance. Aujourd'hui est pour toi le jour de la rencontre avec Dieu. Laisse-nous t'aider et te prendre par la main. Fais mieux que ça. Acclamons-le. Abba Père, nous te recommandons nos frères, nos bien-aimés, qui ce matin prennent la décision de revenir à toi ou de venir ou de revenir à toi. Je demande que ta main qui est sur nous soit sur eux. Que la manière dont tu t'es révélé à nous, tu te révèles à eux. Tu leur révèles ton amour et tu leur accordes la grâce de te connaître. Mets ta main sur eux. Je réprime l'esprit de mort. Je réprime le diable dans leur vie qui est en train de démolir leur vie. Et j'assieds ton emprise sur eux. Change-les, réécris leur histoire. Et fais de les personnes que tu les appelais à devenir pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, vous qui êtes là, les amis, vous êtes vraiment les bienvenus. Cette prière n'est que le début. On ne s'arrête pas là. On a fait cette prière nous aussi un jour. Et on accepte de suivre les instructions. On nous a accueillis, on a pris nos coordonnées, on nous a inscrits sur des plateformes de formation, c'est ce qu'on veut faire avec vous. Et je vous assure, hein, ici, là, en moins de 3 mois, personne ne va vous reconnaître. Vous allez briller, mais vraiment, c'est contagieux la lumière, là. Donc vraiment, faites-moi confiance. Veuillez suivre nos conseillers, alors que l'Église rend grâce à Dieu pour chacun d'entre vous. Acclame Jésus. Waouh! Amen. Vous vous asseoir dans sa présence. Nous sommes arrivés à la fin de notre célébration, de notre culte premier de célébration. Est-ce que Dieu a fait du bien à quelqu'un ce matin? Parce que moi, vraiment, moi, il m'a fait du bien. J'aime cette parole. En fait, la vérité, c'est que quand on parle de lui, j'aime toujours. Mais pasteur, tu n'as pas de problème? Si, tu n'as pas de souci. Oh là là, j'en ai tellement. Mais quand il est dans la place, oh, le reste s'évanouit comme la... Tant qu'il est dans la place... Le maître dans la place, tout va bien. Alors, si vous êtes c'est votre première fois en Pakistan chrétien, je vous demande de bien vouloir vous lever. If you are here for the first time, please stand on your feet. Nous avons la bonne habitude de souhaiter la bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. If it's your first time, please stand on your feet. Qui per la prima volta per favore, alzatevi con la chiesa, vi può benedire. Nel nome di Gesù. Amen. ICC
Are you ready? Quelles que soient les salles, nous devons les arroser de la bénédiction du Seigneur qui enrichit et qui nous accompagne d'aucun chagrin. ICC, come on. Are you ready? Hey, je ne vous ai pas entendu. Oh non, tu dois chanter, tu dois chanter. Tu dois élever la voix et dire. Bienvenue. Qu'est-ce qu'on leur dit? À un pack sans chrétien. On ne t'entend pas. Il faut que tu leur dises bienvenue. Bienvenue. Où ça? À un pack sans chrétien. Un, deux, trois, on y va. Nous te sacrons nos frères et sœurs venus dans ta maison. Bénis-les. Seigneur, tu vois, ici, ici rassemblés, aide-nous. Pour te louer, t'adorer en vérité. Aide-nous. Tu vois qui c'est qui est connecté. Aide-nous. Seigneur, nous te rendons grâce parce que aujourd'hui encore, vraiment, tu nous as fait du bien. Tu as été avec nous, tu nous as conduits, tu as eu compassion de nous, tu nous as assistés, fortifiés, inspirés, édifiés. Nous te demandons la grâce de demeurer dans cette parole, la grâce de ne pas prendre ces paroles comme acquises, Seigneur, mais d'aller nous exposer à ces sons, à cette parole, afin que l'atmosphère qui accompagne cette parole pénètre au-dedans de nous et enfante le changement tant attendu par la puissance relâchée, ta capacité. Nous te rendons grâce de ce que tu as été avec nous. Merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait, parce que tu nous as rassemblés et rassemblés, tu nous as connectés des extrémités de la terre ce matin dans toutes les langues, dans plusieurs langues, Seigneur, pour nous nourrir par ta parole et pour nous amener à te célébrer. Béni sois-tu pour tes bontés. Nous te recommandons cette semaine. Tu as dit dans ta parole, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Nous te recommandons cette semaine. Nous plaçons notre confiance en toi pour que tu nous gardes dans nos départs et arrivées, entrées, sorties, aller-retour, pour que le sang de Jésus couvre ton peuple et que tu nous accordes la grâce de t'aimer et de marcher en tout temps par le glorieux Saint-Esprit sur ta parole. Béni soit le nom du rocher de nos vies, du bienfaiteur et du bouclier et du bien-aimé et du bâtisseur. Béni soit le nom du Seigneur qui fait ces choses. À toi et à personne d'autre soit la louange, la gloire et l'honneur et l'action de grâce. Dès maintenant et dans toutes les générations, Père, c'est dans le nom de Jésus le Christ que nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Alors nous vous souhaitons un excellent dimanche dans sa présence, une excellente semaine. Vous qui êtes là pour la première fois, nous vous demandons de ne pas partir tout de suite. Nous avons une collation qui vous est réservée par notre équipe de conseillers. Alors vous êtes attendus sur ma gauche, donc à votre droite, devant. Veuillez laisser sortir des rangées, ceux qui ont le drapeau des nouveaux. Et on se retrouve jeudi soir pour ceux qui sont concernés par la réunion des bâtisseurs du royaume. Et le vendredi soir pour nos 21 jours qui démarrent dans sa présence. It's gonna be just awesome. Ça va être glorieux. Nous nous attendons à lui. Amen. Excellente semaine dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. May God richly bless you. Et en saluant ton voisin, tu lui dis maintenant, tu n'as plus d'excuses pour ne pas changer. Excellent dimanche dans sa présence. Que Dieu vous bénisse.